Alors, on va palper la styloïde du radius en glissant le long du radius jusqu'à l'extrémité. Donc, je peux le faire aussi avec mon pouce en glissant jusqu'à l'extrémité et palper la styloïde. Même chose au niveau de l'ulna. Je veux glisser le long de l'ulna et venir palper la styloïde juste au bout ici. Alors, si on le fait sur notre modèle, je vais glisser le long du radius et venir palper le bout de la styloïde du radius. Et en latéral, je ne vais pas en latéral, je vais palper la styloïde de l'ulna qui est juste ici au bout.